Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour deux nouvelles vidéos consacrées à la Volvo Amazon 122S aux éditions XO Collection. Aujourd'hui on continue ce sublimissime full kit. Aujourd'hui les étapes 21, 22 et 23, on va continuer le châssis et le pot d'échappement. Il y a du très très beau montage dans cette vidéo. Un petit générique et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti aujourd'hui, trois nouvelles étapes, 21, 22, 23, 21 le châssis arrière que l'on va venir fixer et le pot d'échappement, 22 ici et 23 que l'on va venir fixer tout simplement. Encore du très très joli montage qui nous attend. Allez, c'est parti, on y va. Et donc voilà. On reprend nos deux parties de châssis, on va mettre 4 vis DM ici, tout simplement. Donc on les prend, on les emboîte délicatement. On fait en sorte que ça rentre parfaitement. Et on fixe donc le châssis. On pense aussi à bien mettre les vis ici à l'arrière, très important. Et après, on fixera les 4. Voilà. Allez, on va mettre la dernière vis ensemble. Et voilà, un beau châssis bien en place. L'étape 22 est là. Voilà. On prend cette pièce, on l'installe ici dans la rainure à l'intérieur. Celle-ci, pareil, on l'installe dans la rainure. Important. Voilà. On maintient les deux en place. Et maintenant, on va mettre ceci ici. Voilà. Et on va mettre la vis GEP. Voilà. Ça, c'est maintenu. Et l'étape 23 est ici. Voilà. On va continuer le pot d'échappement. Voilà. On prend donc cette pièce ici. On va la positionner là, comme ceci. Là, ici, on va mettre une petite vis GP. Ensuite, on prend cette pièce, on la positionne ici, celle-ci ici, voilà. Et ça, ensuite, on vient mettre le tout par-dessus, là. Voilà. Et on y met deux vis GP. Ensuite, ici, là, hop là, je vais dézoomer un petit peu, ici au bout, là, on va y mettre une vis, hop, on va le faire rentrer, ici, tac, voilà, bien en place, une vis DM, ici, proprement. Ensuite, de l'autre côté, on retourne, on tient le pot ici, on y met deux vis GP. En dessous ici, pareil, on y remet aussi deux vis GP. Voilà.
Et donc voilà pour le résultat du pot d'échappement impeccable. Voilà qui termine eh bien cette vidéo. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, à activer la petite cloche de notification. Et puis, on se donne rendez-vous très prochainement. Bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao !